Bonjour mes chers étudiants et bienvenue dans cette nouvelle séance de TD qui correspond à notre deuxième séance. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que la qualité de ma voix n'est pas au top aujourd'hui. Je suis un peu grippée. Ça fait déjà quelques jours. J'attends que ça passe, mais j'ai pas envie de rater la séance. Surtout qu'il y a des vacances la semaine prochaine. Après, il y a l'arrêt des cours qui est prévu le 6 février. Donc là, je vais quand même profiter pour analyser un contrat de vente immobilière d'un magasin en copropriété. En fait, la particularité de ce contrat, je l'ai choisi exprès parce que d'une part, on va étudier concrètement la vente immobilière, mais aussi pas n'importe quelle vente, un immobilier qui est sous le régime de la copropriété. Donc systématiquement, le contrat va porter sur si vous voulez, des points qu'on n'aura pas forcément lorsque la vente portera sur un bien qui n'est pas soumis à un tel régime. Et donc, on doit analyser tous ensemble ces différents articles du contrat, les points essentiels qu'il doit aborder, qui sont spécifiques. Donc, c'est un contrat spécial, en fait. Et puis, ce qui le rend encore plus spécifique, ce contrat, c'est qu'il va être passé entre deux parties dont l'une est une société. Plus précisément, une société à responsabilité limitée. Alors, la particularité, c'est que vous avez fait le droit des sociétés en S4, et donc vous connaissez aujourd'hui toutes les formes juridiques des sociétés, et ce qui est très intéressant, c'est de pratiquer un peu, de voir en pratique lorsqu'une société veut passer un contrat, bien sûr par le biais et par le moyen de son représentant légal. Mais quelles sont les informations susceptibles de l'identifier au niveau d'un contrat et comment ça se passe au concret, en clair? Voilà, mes chers étudiants. Donc, s'il vous plaît, la première des choses à faire, c'est de télécharger le contrat que je vous ai déposé sur la plateforme. Donc, première des choses, j'ai déjà déposé avant d'écouter cette vidéo. Bien, si vous l'écoutez maintenant en parallèle, vous mettez pause. Vous téléchargez d'abord le contrat et par la suite, vous suivez avec moi parce que là, je vais l'analyser petit à petit. Donc, vous mettez le contrat en parallèle et puis la vidéo, vous allez écouter de toutes les manières que le son. OK? Alors, al-barakatillah, donc on démarre. La première page, mes chers étudiants. Regardez au tout début, qu'est-ce qui est écrit? Acte Dieu. Donc là, on donne la date. Entre parenthèses, vous allez remarquer que, en fait, c'est un véritable contrat et j'ai dû supprimer ou changer pas mal de données. Donc, vous connaissez aujourd'hui la protection des données à caractère personnel. Donc, pour ce souci-là, j'étais dans l'obligation, bien sûr, de cacher, de modifier pas mal d'informations qui sont personnelles et que je ne suis pas en droit de divulguer. Par contre, j'aime bien traiter de contrats, on va dire, véritables, c'est-à-dire qui ont vraiment été effectués, parce que parfois on peut relever certaines lacunes qui dit contrat, même qui a été enregistré et inscrit à la conservation foncière, ne dit pas forcément que c'est un contrat qui est parfait, qui est complet. Donc, c'est à nous justement de relever certaines imperfections, etc., pour développer un peu cet esprit critique et cet esprit d'analyse que vous êtes censé aujourd'hui avoir autant que juriste. Alors, donc, mes chers étudiants, toujours, s'il vous plaît, au niveau d'un contrat, on démarre par le titre de ce contrat. En fait, l'objet de ce contrat, ce titre consiste à déclarer dès le départ l'objet de ce contrat, sur quoi il porte au juste. Donc ici, on est face à une vente. On l'a pas précisé, mais il faut d'habitude préciser, est-ce qu'on est face à une vente totale ou bien partielle? Parfois, on peut être face à un transfert de l'usufruit, par exemple. Parfois, on peut être face au transfert de la pleine propriété, lequel cas on parle d'une vente totale immobilière. Alors donc là, il s'agit d'une vente d'un magasin
Donc là, puisqu'on est face à un magasin, donc on est face à un bien immobilier, puisqu'il est immobilier, donc on est clairement en train de parler de la constitution d'un nouveau droit de propriété en faveur d'une nouvelle personne, physique ou morale. Et donc, on est obligé de le faire, ce transfert de propriété, par un acte authentique d'après l'article 4 du Code de droit réel qu'on a mentionné à maintes reprises au niveau des cours. Alors voilà, donc là, déjà, il faut annoncer la couleur, il faut annoncer l'objet du contrat. Donc, c'est la vente d'un magasin en copropriété. Sa particularité, c'est que ce magasin, il va être en copropriété. Qui dit copropriété, qui dit qu'il est soumis à la loi 1800 telle qu'elle a été modifiée et complétée, et aussi qui dit qu'on va avoir forcément une partie divise et une partie indivise. Quand on aura une rubrique qui va nous parler un peu de la désignation du bien, parce qu'on va voir que dans tous les contrats, sans exception, mes chers étudiants, dans tous les contrats qui portent sur les biens immobiliers, sur les biens immobiliers, pardon, la harats, que ce soit des biens immatriculés ou non immatriculés, harats muhaffada ou ghair muhaffada, on peut être soumis au régime de la copropriété, ça concerne les deux types qu'on a, comme on l'avait déjà mentionné. Et donc, ce qui importe, c'est qu'on doit avoir une rubrique, une partie qui concerne toujours la désignation du bien, qui va donner une description détaillée du bien. Et quand on est face à la copropriété, on est forcé d'avoir un bien, une partie divise et une partie indivise, bien entendu. Alors, donc, première des choses, mes chers étudiants, c'est qu'on doit expliquer dès le départ, au niveau du titre, de quoi il s'agit. Quel est l'objet de ce contrat qu'on va établir aujourd'hui? D'accord? Donc là, ce contrat, c'est une expédition d'un notaire. D'accord? Et donc, on va voir exactement quelles sont les mentions obligatoires que doit toujours signaler le notaire, quelles sont ses obligations en matière de rédaction. Et ensuite, le respect généralement des dispositions des différents articles que l'on va avoir au niveau d'un contrat. Alors, une fois on aurait expliqué un peu l'objet et le titre du contrat, on doit présenter un peu les parties. Par qui va prendre cette initiative de vendre ce magasin en copropriété. Alors là, c'est une société que j'ai appelée moi-même Brad Construction, mais en fait, ce n'est pas vrai. Alors, c'est une société à responsabilité limitée, d'accord, au profit de Monsieur X, qui est une personne physique. Alors, première des choses, mes chers étudiants, regardez, quand on parle et on présente une société, on doit donner sa dénomination et on doit donner aussi sa forme juridique. Si ça aurait été une SARL à associé unique, on aurait été obligé de le mentionner dès le départ. On aurait mis société à responsabilité limitée, SARL, AE, c'est-à-dire à associé unique. Ça, c'est le premier point qui est très important. Donc là, à partir du moment où je vois que je suis face à une société SARL, point, ça veut dire que c'est une SARL où il y a au minimum deux associés et non pas un associé unique. En tout cas, c'est la lecture officielle. Si jamais l'associé, il est unique, ça veut dire que le notaire s'est trompé, qu'il devait obligatoirement mettre à associé unique. OK? Ensuite, on va voir qu'au niveau de l'identification des parties, on ne peut pas se suffire de ça, mais on doit toujours donner le capital de la société, on doit donner son adresse, c'est-à-dire son siège social, et on doit également donner son numéro d'immatriculation au registre de commerce. Ça, c'est obligatoire. Et bien sûr, cette société va être représentée par un représentant légal. Donc, on est obligé également de le mentionner et de l'expliquer. OK?
Et puis, ce que je tiens à signaler, mes chers étudiants, si on était face, plutôt cette fois-ci, à une société anonyme et non pas à une SARL. Là, c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est face à une SA, vous le savez, vous l'avez déjà étudié, on a une possibilité d'avoir deux formes de gestion. Une gestion monocéphale lorsqu'il s'agit de la gestion assurée par un conseil d'administration. Et une gestion bicéphale lorsqu'on est face à une société anonyme à directoire et à conseil de surveillance. Bien sûr, lorsqu'on est face à une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, c'est qu'on est face généralement à des sociétés qui ont une activité, qui pratiquent une activité réglementée. Généralement, ce sont des activités financières telles que les banques, telles que les assurances, etc. Chaque fois que vous allez voir leur statut ou encore d'autres types d'activités qui ont pour objectif de rendre un service public, hein, si on prend l'exemple de Maroc Télécom, ben Maroc Télécom, clairement, c'est une société qui est anonyme, bien sûr, et elle est à directoire et à conseil de surveillance. Les assurances également, les banques aussi. Donc, il faut comprendre, lorsqu'on est face à ce genre de société où on a besoin d'avoir le contrôle de la gestion, parce qu'on est face à des activités strictement réglementées par la loi, ben, on va avoir recours à des sociétés à directoire et conseil de surveillance. Quoi qu'il en soit, moi, ce qui m'importe ici, c'est que obligatoirement, on doit le mentionner. Donc, quand on est face à une société anonyme, directement, on doit dire est-ce que c'est une société anonyme à conseil d'administration ou est-ce qu'on est face à une société anonyme à directoire et conseil de surveillance? Très bien, mes chers étudiants. Alors, lisez avec moi. Donc, on a dit par la société Brad Construction SARL au profit de Monsieur XY. L'an 2018, le maître qui est notaire à Témara, sous-signé, a reçu le présent acte authentique entre les parties ci-après désignées. On aurait pu le reformuler d'une autre manière, c'est-à-dire que les parties requièrent du notaire susvisé de donner authentification à l'acte ci-après. Ce qui m'intéresse, mes chers étudiants, c'est que vous compreniez que déjà à ce stade-là, l'acte est authentique. À partir du moment de sa rédaction, là, on est déjà en train de parler d'un acte authentique. On n'a besoin ni de légaliser les signatures, ni de soumettre ce contrat à la vérification de la date au juge, pardon, de l'authentification. On n'a pas du tout besoin de tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans les mains du notaire et qui est le seul habilité à authentifier l'acte déjà à partir du moment de sa rédaction. Donc ça, c'est le point qui est très important. Ici, mes chers étudiants, puisque je suis face à un notaire, puisque je suis face à un acte authentique rédigé par un notaire, je comprends déjà que je suis face à un bien qui est soit en cours d'immatriculation, ce qu'on appelle matlab tsahfid ou la réquisition d'immatriculation, soit on est face à un bien qui est déjà immatriculé. Regardez dans le titre. Du moment que je présente TF, ça veut dire c'est le titre foncier. TF numéro, c'est les initiales, ce sont les initiales, pardon, du titre foncier. Ça veut dire puisque j'ai un numéro de titre foncier, systématiquement, je suis face à un bien qui est déjà immatriculé. Voilà, mes chers étudiants. Alors, regardez ce qui est écrit en gras, identification des parties. Donc, toujours, c'est un peu la même disposition des articles qui est respectée. On n'est pas obligé d'avoir la même, mais généralement, on a 3, 4, 5 premiers articles qui doivent apparaître et dans un certain ordre, obligatoirement. Tout d'abord, je dois présenter les parties. Je dois les identifier avec toutes les informations utiles qui peuvent identifier ces parties.
Ensuite, je dois mentionner est-ce que l'une des parties a besoin ou pas de se faire représenter. Donc, c'est une rubrique qu'on va appeler représentation. Ensuite, j'expose de quoi il s'agit, quelle est la volonté des parties, pourquoi aujourd'hui les parties ont comparu, pourquoi elles sont venues, elles sont en présence d'un notaire aujourd'hui, afin de faire quoi en fait? Quel est son objectif? Donc, j'explique un peu. Une fois j'expose, par la suite, je désigne le bien, très important comme point, quel est le bien objet de la transaction immobilière. Quand je désigne un bien, je donne son numéro de titre foncier lorsqu'il est immatriculé. Ensuite, si on est face à un bien qui est soumis au régime de la copropriété, on est obligé de donner toutes les informations relatives aux parties civiles et aux parties indivises. Par la suite, l'article important, c'est l'origine de la propriété. D'où vient en fait cette propriété? Par la suite, vous trouvez des articles en relation avec les conditions de propriété de jouissance. Est-ce qu'on va avoir systématiquement la jouissance directement ou bien est-ce qu'on va passer par un certain nombre, etc. D'accord? Par la suite, bien sûr, on aura le prix, certaines déclarations, certains articles afférents à la fiscalité et aux impôts. Donc, on va faire référence aussi au code général des impôts avec ces articles. Généralement, ce sont des articles répétitifs. Les notaires font du copier-coller. Donc, même tout à l'heure, je vais juste vous en parler, vous dire voilà l'article qui concerne les impôts, etc. Mais pas besoin de les analyser. Ensuite, il y aura une élection de domicile. Probablement, il y aura un article sur la compétence du tribunal en cas de litige. Mais quand on est face de toute façon à un bien immobilier, c'est que la compétence du tribunal, elle est forcément, je parle de la compétence territoriale, elle est forcément celle du ressort duquel se trouve le bien immobilier, d'où l'intérêt. Et j'insiste sur ça pour les étudiants qui m'écoutent. Ça peut être une question d'examen, s'il vous plaît. D'où l'intérêt de connaître la distinction entre un bien meuble et un bien immeuble. C'est très important, mes chers étudiants. Si je vous pose la question, quel est l'intérêt de faire la différence entre un bien meuble et un bien immeuble? Je ne m'attends pas à ce que vous fassiez la distinction entre un bien meuble ou immeuble. Pas du tout. La réponse est que quel est l'intérêt? Pourquoi est-il important de faire cette distinction? Et j'avais insisté sur ça au niveau du cours. L'importance réside dans le fait qu'on va connaître les spécificités de chaque régime juridique qui va être applicable aux immeubles et aux biens meubles parce qu'il va être différent. Genre, il va être différent au niveau déjà de la forme de l'acte qui va être établi pour le transfert, par exemple, de la propriété de ce bien. Quand on est face à un bien meuble, comme une voiture, ben je ne suis pas obligée d'avoir un acte authentique. Par contre, lorsque je suis face à un magasin en copropriété, par exemple, qui est un bien immeuble, je suis obligée de le faire par un acte authentique ou à date certaine, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la compétence du tribunal. Lorsque je suis face à un bien meuble, je ne peux pas avoir une compétence territoriale du ressort de ce bien parce qu'à la base, le bien meuble, il circule. Il n'a pas de critère de rattachement avec le sol. Et donc, par conséquent, la compétence du tribunal va être tout simplement l'adresse, le tribunal de l'adresse de la partie défenderesse. Alors que lorsque je suis face à un immeuble, ben, systématiquement, la compétence du tribunal va être celle du ressort duquel se trouve l'adresse de l'immeuble. OK? Voilà, mes chers étudiants. Donc, à la fin, on aura bien sûr une rubrique sur le nom et prénom des parties, la date et l'heure où l'acte authentique a été passé, et puis la signature des parties. Avec des spécificités, bien sûr, concernant chaque type de contrat. Par exemple, lorsqu'on va étudier un contrat portant sur l'apport en nature d'un bien immobilier, lors de la
séance prochaine. J'allais le faire en fait aujourd'hui, mais c'est un peu spécialisé. J'ai préféré démarrer par une vente immobilière généralement, notamment en copropriété, et partir par la suite vers ce contrat d'apport en nature qui est beaucoup plus spécifique. Alors, on trouvera aussi un peu la même disposition avec des spécificités, comme j'ai dit, pour ce genre de contrat. Alors, maintenant, revenez au tout début, s'il vous plaît. Donc, on est dans la première rubrique, identification des parties. Alors, la société Brad Construction, qui est une société à responsabilité limitée, regardez, première erreur qu'on a commis, que le notaire a commis, c'est de parler de responsabilité limitée anonyme. Ce qui n'existe pas du tout, mes chers étudiants. On ne peut pas avoir une SARL anonyme, c'est une aberration. Donc là, c'est certain qu'en fait, on a fait du copier-coller sur un contrat dont une des parties était une société anonyme. Et donc, quand on a fait du copier-coller, ça a donné SARL anonyme, ce qui est complètement faux. Alors moi, aujourd'hui, si je travaillais toujours à la conservation foncière, ou bien vous plus tard, lorsque vous allez avoir ce genre de contrat, vous n'allez pas pouvoir inscrire ce contrat, bien entendu. Donc, juste pour cette erreur-là, qui est une grande erreur, vous allez rejeter le contrat et demander rectification au plus vite. Et on va supprimer cette mention de anonyme. Voilà, d'où l'intérêt, mes chers étudiants, de vous proposer des contrats réels qui vous permettent clairement de comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est notaire qu'on va vous soumettre un contrat qui est parfait. Et c'est à vous, juristes, justement aujourd'hui, d'analyser, de relever les erreurs, etc. Alors, ensuite, donc la société Brad Construction, qui est une SARL, qui a un capital de 100 000 dirhams, dont le siège social se trouve à Hainada, donc c'est à Rabat, et je donne les détails de cette adresse, je donne le numéro d'immatriculation, commerce bien entendu de Rabat, puisque cette société, son siège social se trouve à Rabat. Donc, ça, c'est la partie vendeur. Donc, toujours, j'explique c'est quoi la qualité de la première partie que j'ai identifiée. Puisque je viens d'identifier le vendeur, donc là, je vais identifier l'acquéreur. Alors, l'acquéreur, c'est une personne physique qui demeure, je dois donner obligatoirement sa résidence, d'accord? Sa nationalité. Sa date de naissance, son numéro de carte d'identité, et ce qui est très important, mes chers étudiants, c'est est-ce que la personne est célibataire ou non? Et dans le cas où elle n'est pas célibataire, on est obligé de dire est-ce que ces personnes-là, ce couple, est-ce qu'il a été marié avec l'exception de l'article 49 du Code de la famille qui prévoit la possibilité de partager les biens? Ou bien est-ce que le couple est soumis au régime de la séparation du bien? D'accord? Pourquoi c'est important? Pour savoir est-ce que le couple risque, en cas de divorce, d'avoir le partage des biens 50%, 50%. Alors, une fois j'ai identifié les deux parties, je parle cette fois-ci de la représentation. Cette représentation, j'aurais pu l'intégrer déjà au niveau de l'identification des parties, mais le notaire, apparemment, il a choisi de le prévoir dans une rubrique à part. Alors, la société Brad est représentée par Monsieur X. Donc, toujours, je donne la même chose, son nom, ce qui est très important aussi au Maroc. Et cela figure au niveau de la carte nationale, il faut mettre Ben qui, c'est-à-dire fils de qui, ou bien fille de qui, donc Ben, le nom de la mère et le nom du père, obligatoirement. Donc, en vertu de quoi aussi on a eu ce pouvoir, pardon, de représentation? Est-ce que ça va être en vertu d'une assemblée générale? Et donc, je vais donner les mentions du procès-verbal et peut-être même joindre une copie de ce PV. Est-ce que ça va être en vertu d'une délégation de pouvoir, par exemple?
Si c'est le cas, je donne la forme de la délégation de pouvoir. Est-ce qu'elle a été faite par acte authentique ou sous signature privée? Si ça a été fait dans l'objectif de faire une opération sur un bien immobilier, la délégation de pouvoir va être obligatoirement faite par un acte authentique, d'après l'article 4, bien entendu. Ça, c'est très important. Alors, quoi qu'il en soit, je suis obligée de donner toutes les mentions nécessaires pour identifier ce représentant. Alors, regardez, la société Brad est représentée par Monsieur X, qui est né à Témara, titulaire de la carte d'identité AXX, valable jusqu'au juillet 2019. Donc là, aujourd'hui, elle est expirée, cette carte. En vertu de quoi? Donc là, il s'agit d'une délégation de pouvoir conférée par le gérant de la dite société, suivant une procuration, regardez, authentique, qui a été dressée par le même notaire apparat. Alors, lesquels ont tout d'abord exposé ce qui suit? Donc, les parties en présence, acquéreur, vendeur, ont exprimé la volonté ci-après. Alors, exposé, la société Brad, qui est représentée par Monsieur X, et au terme d'un acte sous seing privé, alors, regardez ici, excusez-moi, un point qui est important. Regardez, vous allez trouver des mentions à chaque fois. Regardez, au terme d'un acte sous seing privé, ça peut même concerner les actes authentiques. Vous allez trouver toujours des mentions RE et OR. Ça, vous allez toujours les trouver lorsque cet acte est enregistré au niveau de Maslahat Jilotnber. Donc là, c'est des références, c'est l'ordre de registre, c'est la recette fiscale, etc. Vous allez toujours les retrouver. C'est du répétitif. On fait référence généralement à la date où a été passé ce contrat, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est que ce RO et ce RE, pardon, c'est OR et ce RE, vous allez toujours les trouver au niveau des cachets. Une fois vous déposez le contrat au service de l'enregistrement, on le cache. On va le cacheter avec le cachet et où vous allez trouver rempli avec le stylo la partie sur le numéro de l'OR et le numéro du RE. Toujours les reproduire au niveau de... des mentions qui sont importantes à retrouver au... D'accord? Ça, c'était un point qui est important. Officiellement, du notaire de dresser un acte d'un magasin en copropriété et regarder les parties en requis à l'article 42 de la loi 3209. Relative, arrêtée directement entre eux, etc. Alors, ce point, il est important. Tout d'abord, la loi 3209, elle concerne l'organisation de la profession du notaire. Donc, toujours, vous allez trouver mention faite à cette loi. Ça, d'une part. D'autre part, on va faire toujours mention à l'article 42. Si vous regardez, je vous invite là sur place. Tant que vous êtes en train d'écouter mon enregistrement, de voir, de télécharger la loi 3209 et de consulter l'article 42. En fait, cet article 42, il vise quoi? Il vise la langue qui sera utilisée pour la rédaction du contrat. Alors, ce qu'il faut savoir, d'ailleurs, j'ai une critique sur cet article-là, parce que l'article parle de l'obligation de rédiger le contrat en langue arabe, mais que si les parties quand même veulent le rédiger en français, ils peuvent le faire. Elles peuvent le faire. Première critique que j'ai, c'est que puisqu'on donne la possibilité d'avoir recours à la langue française, pourquoi dire au début les parties ou bien les contrats sont obligatoirement rédigés en langue arabe? Il faut supprimer obligatoirement. Et plutôt utiliser une autre formule, que la base normalement de rédaction, c'est la langue arabe, mais que les parties peuvent toutefois avoir recours à la langue française. D'accord?
En tout cas, quoi qu'il en soit, entre guillemets, cette critique qui est importante, et l'essentiel à retenir, c'est que au niveau de cet article 42 de la loi 3209, le notaire se protège, si on veut, et exprime clairement que les parties ont exprimé leur volonté et qu'ils comprennent parfaitement la langue française, ou bien qu'il y a eu un traducteur, par exemple, pour leur traduire. Ou bien qu'ils dispensent, puisqu'ils comprennent la langue française, qu'ils dispensent le notaire de ramener un traducteur. Et donc, finalement, on se retrouve la plupart des cas, mes chers étudiants, quand on est face à des expéditions de notaire, devant des contrats établis en français. Ce qui aborde un autre sujet qui pose un peu problème en pratique. Quand vous partez à la conservation foncière, que vous demandez la consultation des titres, eh ben, vous trouvez certains actes qui sont accomplis en arabe, quand on est face à l'IRSA par exemple, établi par les Doul, vous allez être face tantôt à des actes établis en français. Donc, ce qui est certain, en tout cas, les agents de la conservation foncière doivent maîtriser les deux langues, en français et en arabe. Voilà, mes chers étudiants. Alors, article 1er, vente totale immobilière. Donc, regardez ici, on a utilisé la terminologie vente totale. Donc, on n'est pas face au transfert d'un démembrement de propriété, mais plutôt à la vente de la pleine propriété. D'ailleurs, le notaire lui-même utilise cette terminologie. Parlez présente, monsieur Mohamed vend en obligeant la société construction à toutes les garanties ordinaires et de droit le plus attendu à monsieur X qui accepte la pleine propriété de l'immeuble dont la désignation suit. Alors, l'article 2, comme j'avais expliqué tout à l'heure, c'est qu'on va désigner le. Donner une description minutieuse. Ici, donc, c'est la totalité de la propriété dite. Propriété dite, c'est ce qui figure sur le titre foncier, sur le certificat de propriété. Ça veut dire qu'elle a un nom. On doit donner el-milkiya el-moussamma. D'accord? Faisant l'objet du titre foncier, je suis obligée de donner le numéro de titre foncier. Alors, regardez, 25 589, ça, c'est le numéro, slash 38. 38, c'est l'indice. Donc, ici, le bien, par exemple, s'il se trouve à Témara ou Hénada ou je ne sais quoi, il aura l'indice de 38. Alors, maintenant, regardez. Deux sous-parties, à titre divis et à titre indivis. L'ajza al-mushtaraka ou l'ajza al-ghayr-mushtaraka. Alors, quand on parle de titre divis, ça veut dire el-musharaka, qu'on ne peut pas diviser. Donc, regardez, c'est une fraction divise, numéro 2 du règlement de copropriété. Donc, déjà, puisqu'on est face à un contrat portant sur une copropriété, on doit joindre obligatoirement une copie du règlement de copropriété. Et le notaire est censé donner suffisamment de temps au client pour qu'il puisse lire et analyser le règlement. Et le notaire aussi, il aura l'obligation de lui expliquer à haute voix les principales dispositions du règlement de copropriété. Parfois, il y a des exceptions, comme le droit de préemption ou d'autres exceptions qui sont prévues. Il faut le mentionner. Les frais de syndic, par exemple, qui sont calculés en fonction des tantièmes, etc. Quoi qu'il en soit. Alors, donc, à titre divis, donc on explique. Au niveau du titre divis, donc on a ici la fraction divise du règlement de copropriété. On donne la superficie qui consiste en un local situé au sous-sol de l'immeuble. Ensuite, on aura une fraction divise, donc là qu'on a pu diviser. Donc ici, c'est l'ajza, c'est-à-dire que je ne partage pas avec d'autres personnes. Je pense que je les ai inversés au début. Le titre divis, ou bien la partie divis, ça veut dire que je peux diviser des autres. Ça veut dire la partie indivise, c'est la partie que je ne peux pas diviser avec les autres, telles que les escaliers, l'ascenseur, etc. Et donc, ce sont ce qu'on appelle en arabe el-mushtaraka, c'est-à-dire que je suis obligée de les autres. Donc, à titre divis, il y a plusieurs fractions. Donc, on a un sous-sol, on a une mezzanine aussi. On a également un magasin au rez-de-chaussée. Donc, généralement, c'est la disposition du magasin. On doit la description minutieuse.
superficie, etc. Ensuite, à titre individu, et là, je suis obligée de donner ce qu'on appelle les torièmes sur 260, quatrième, etc. Donc là, simplement, cette partie indivise détient les copropriétaires sur cette partie-là. Et cette quote-part est calculée en fonction de la superficie des copropriétaires. Et c'est comme ça qu'on va calculer aussi les frais de syndic, etc., au prorata. D'accord? Alors, maintenant, origine de la propriété. Les comparants dispensent expressément le notaire d'établir l'origine sur le titre foncier, mais quand même, regardez, la société a elle-même été propriétaire de l'immeuble suite à un acte notarié qui a été établi le 16 décembre 1999 et qui était enregistré. Dès que vous écoutez et que vous voyez la mention enregistrée, ça veut dire qu'on vise les impôts. Regardez ce que vous allez trouver toujours, OR et le RO, que vous trouvez toujours obligatoirement. On doit les reprendre au niveau de l'acte. Donc, en gros, l'origine de propriété, comme son nom l'indique, elle sert à quoi ? De déterminer l'origine de cette propriété qu'on va vendre aujourd'hui. C'est-à-dire, les propriétaires qu'on a aujourd'hui, eux-mêmes, comment ils ont pu avoir cette propriété. Wesh, par exemple, en vertu de Ha'ad l'Iraza, en vertu d'une Hiba, d'une Sada'a, ou bien d'une vente immobilière également, etc. Donc, on doit obligatoirement préciser l'origine de propriété. Soit on fait référence tout simplement aux énonciations qui figurent sur le titre foncier, mais au moins on doit dire est-ce qu'il s'agit d'une vente ou autre. Article 4, propriété et jouissance. L'acquéreur sera propriétaire de l'immeuble à compter du jour de l'inscription. Alors cette disposition est fondamentale, mes chers étudiants. Pourquoi ? Parce que clairement, on voit les effets de l'inscription sur le titre foncier. Vous vous rappelez, on avait vu l'effet constitutif d'après les articles 66 et 67 du Dahir de 1913, tel qu'il a été modifié et complété par la loi 1407. Les inscriptions, les actes portant sur les biens immobiliers ne seront valablement reconnus et ne produiront leurs effets, que ce soit entre les parties ou à l'égard des tiers, qu'à partir du jour de l'inscription. Donc, ce n'est pas à partir du moment de la signature de ce contrat, mais à partir du moment de son inscription sur le titre foncier, où on sera face à l'effet et la force probante et l'effet constitutif des inscriptions. Donc, vous le voyez maintenant pratiquement. C'est à ça que ça sert justement ces séances de TD, c'est de voir ce côté pratique de toute la théorie qu'on a. Savoir qu'on aurait pu prévoir certaines conditions spécifiques. Par exemple, que la jouissance du bien, la jouissance réelle, ça veut dire que l'acquéreur ne pourra réellement utiliser le bien qu'après, par exemple, 2 mois suite à l'inscription au titre foncier, par exemple. Pourquoi ? Parce que le propriétaire actuel a besoin d'avoir un temps supplémentaire. Donc, c'est des questions aux parties qui peuvent être parfaitement prévues sans problème. D'ailleurs, regardez article 5. Ici, on parle de conditions. Ici, je vais l'acquéreur accepte de prendre le bien en l'état où il est aujourd'hui. On aurait pu faire un état des lieux par un huissier. La vente aurait été faite, mis à part, je ne parle pas des vis cachés, bien entendu, etc. Dans l'état où il est aujourd'hui, tout simplement. Ensuite, le propriétaire, il déclare officiellement qu'il n'y a pas de charges particulières ou de services, sauf les servitudes qui sont connues. Là, ça nous rappelle un peu la partie sur les droits réels principaux, sur les servitudes.
Donc, par exemple, ici, il n'y a pas des servitudes conventionnelles autres, il n'y a que les servitudes de police, de pompiers, etc., qu'on avait déjà vu, ce qu'on appelle les servitudes résultant des règlements de la ville et de police, et qui sont d'office. Donc, on a l'acquéreur déclare en tout cas, pardon, le propriétaire, le vendeur déclare en tout cas sa connaissance, il n'y a pas de servitude ou autre qui est portée sur le titre foncier. Autrement, il faudra le signaler. Donc, cet article est important, je vous invite à le relire parce que justement, on fait mention un peu à toutes ces servitudes qu'on a vues en cours. Alors, article 6, application. Regardez s'il vous plaît, mes chers. Qui est bien sûr relative au statut propriété des îles. Bâtie telle qu'elle a été modifiée. Bâtie, ça veut dire possible d'appliquer $18 sur ce qui n'est pas bâti, bien entendu, ça c'est certain. Alors, ici, l'acquéreur normalement doit déclarer avoir eu parfaite connaissance par la lecture du notaire, etc., et la remise d'une copie du règlement de copropriété. Ça, c'est ensuite, il faudra, si jamais il y a des mentions qui sont particulières au niveau du règlement intérieur, comme pardon, du règlement de copropriété, il faut le mentionner aussi. La présente vente a lieu sous les charges et conditions résultant de copropriété du dit immeuble, auxquels sont annexés les plans d'architecture de deux variétures et les graphiques qui ont été approuvés. Alors, les plans d'architecture de deux variétures, Adam Tsari, ça veut dire possible que plus tard on vienne à opérer des modifications sur ce qui a été déjà construit, ce qui figure sur ce plan justement de deux variétures. On a voilà. Alors ensuite, on aura un article 7. Regardez en bas sur les déclarations. Est-ce que le vendeur a des déclarations spécifiques à faire ou pas? Apparemment, ici, on va simplement déclarer une nouvelle fois, c'est une répétition, que le bien ne comporte aucune inscription de charge ou de droit réel, ni hypothèque, ni quoi que ce soit. Donc, c'est important. S'il y a eu une main levée, il faut le déclarer au niveau de cette rubrique, justement. Article qui porte sur le prix. Donc, il faut déclarer le prix. Regarde ici dans ce contrat. Il y a énormément de répétitions. Cette déclaration, article 9, déclaration, c'est des choses à ne pas faire, mes chers étudiants. Si on rédige un contrat qu'on a omis ou on a oublié de mentionner, ben, il faut tout simplement retirer la rubrique et donner les mentions importantes à. Ensuite, tout ce qui est en rapport avec l'article 11, regardez, ce sont des dispositions du code de l'enregistrement. Donc, c'est le code général des impôts, le code d'enregistrement aussi, qui va être en relation avec la taxe de la plus-value, les applications des dispositions
sur le prix de vente, etc. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. C'est plus de la fiscalité. Si vous comptez vous spécialiser dans le du foncier ou bien le droit des affaires généralement, vous allez avoir certaines sur tout ce qui est en rapport avec au niveau du notaire, ce sont des articles. On fait du copier-coller pour dire clairement que le client a pris connaissance. Il faut lui lire aussi à haute voix de toutes les mentions en relation avec les obligations en matière d'imposition, de taxes, etc. pour qu'il puisse payer. Et ce n'est qu'après avoir obtenu le quitus fiscal qu'on pourra finalement procéder à la dite vente. Voilà, mes chers étudiants. Des articles sur l'état civil des parties, sur l'élection de domicile, c'est-à-dire que pour l'exécution du présent contrat, les comparants élisent domicile chacun. Demeure, par exemple, principale, c'est possible de le faire s'ils choisissent une autre adresse, il n'y a pas de souci, mais il faut en tout cas le mentionner en caractère assez apparent. Regardez l'article 15, dispense ici les l'art dispenser le notaire de se faire assister par un interprète ou bien par un traducteur parce qu'il déclare avoir très bien compris le contrat, donc il connaît apparemment la langue française. Donc il n'y a aucune réserve par rapport à ça. L'article 16, c'est. Donc ici, avant de clore, le notaire. Clairement.